Promettez-vous de dire la vérité et rien que la vérité aujourd'hui. Promettez-vous de donner le thé et la leçon de Dieu. Oui, monsieur le juge. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, je drill pour vous. On a dit scandale de star et ça commence maintenant. Let's go! Aya Danioko, née le 10 mai 1995 à Bamako. Elle est franco-malienne. Son nom de scène est tiré de Hiro Nakamura, qui est un personnage de fiction capable de se déplacer dans le continuum espace-temps. Alors, on va pas trop s'attarder sur les détails aujourd'hui. Je vous plonge directement dans la mentale d'Aya. Premièrement, je vous l'ai dit, son nom est inspiré de Hiro Nakamura. Et ce mec se promène dans le temps, en fait. On va au passé, au présent, on revient. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Moi, ça me plaît. Parce qu'en fait, je suis le passé, le présent et le futur, je demeure. Et depuis lors, elle ne fait que monter. En deuxième position, Aya a une plume tatouée dans le cou, là, ici. C'est l'arme du jeu, en fait. Personne ne lui retire, personne ne lui dit rien. J'écris mes textes et je vous mets tous dans le coma, c'est tout. La mentale, c'est de sentir bon, en fait. Aya nous l'a dit. On sent bon, on est fraîche. Toujours parfumé, les choqués se plaignent, Viviès, Cara, les liasses, tout est carré. La famille est sécure, mes enfants à l'abri. C'est tout ce qu'on cherche dans la vie. On porte les lunettes, toujours une clope pour donner le tempo. Pire. Personne va couler ici, hein. Waouh. Alors c'est là que ça commence parce qu'elle, elle est avec ses copines, elle fait des séries de freestyle dans sa chambre, mais comme toute bonne banlieusarde, Aya s'est dit, il faut qu'on quitte la rue, la vie de ma mère. On va pas rester ici, on va freestyler juste qu'on va quitter ici, no cap. À 19 ans, elle commence à se concentrer. Elle sort son premier freestyle Karma sur Facebook. Le show business s'est lancé. À ce moment-là, il y a un producteur qui s'appelle Sensei, il est très connu, il a d'ailleurs produit pas mal d'artistes. Il voit Aya et dit, tu sens l'argent ma beauté. Period. Venir. Elle écrit j'ai mal, il supervise, il lance le son sur YouTube et c'est le premier million de vues. Mais Aya, elle a la dalle. Elle est pas là pour les miettes miettes, tu vois un peu du pain là. Elle est pas là pour ça, elle veut le high level. Donc là, elle récupère Fababy dans le lieu, dans la banlieue. Elle a dit écoute Fababy, toi tu ressembles même à la rue. Tu ressembles à la rue chérie. Donc comme on est tous les deux dans le Banks, viens on s'allie et on essaie de créer un hit. Elle a vu clair dans le show. Ils ont créé le titre Love d'un voyou. Simple et efficace, on a toutes été amoureuses des bandits. C'est carré en fait. Le son Jop, Fababy à la notoriété, c'est gang. C'est ça on appelle un coup de maître. Let's go! Elle est signée direct dans la maison de disques Warner Music. À ce moment-là, Warner Music lui dit « Bon, c'est bien, j'ai mal et brisé, il faut absolument que tu fasses un album. » À ce moment-là, le truc, c'est quoi? C'est que Aya est enceinte de son premier enfant, elle n'a pas le temps. Nier les faits, tourner Warner Music en bourrique. Dès qu'elle a accouché, elle a drop l'album. Elle leur a dit « Vous allez attendre, en fait. J'ai pas souffert jusqu'ici pour négliger ma grossesse. » Quand elle a sorti son album Nakamura, mais qui a dormi. 2018, c'était la rue. Trop de hits. Dans l'album, il y a Dot, Copine, Sucette, Jaja. Mais c'est la violence. C'est la violence. Elle fait bouger le monde entier. Les stars américaines, les quoi, on est tous là. Oh, Jaja. Il n'y a pas moyen, on a tout donné à Aya. Cette année-là, on lui a tout donné. Vraiment, elle est au max, quoi. Alors, dans toute carrière d'artiste, quand vous prenez du galon, il faut revoir la vision artistique. Et Aya, je vous ai dit, real OG. C'est tout ce qu'on devait retenir de cette vidéo. Moi, je suis une OG. Hein. Elle, là, c'est real to real. Aya est sur tous les tabloïds, elle est au max de sa popularité. Mais la polémique Pookie rentre dans l'histoire, period. Alors je rappelle rapidement pour ceux qui connaissent pas ou qui sont pas au courant, la polémique Pookie c'est simple. Aya a sorti ce clip, la D a été magnifique, vraiment ça a pété, tout le monde a kiffé. Il y a des artistes dans l'ombre qui sont venus au plat. Cette idée vient de nous, on a travaillé dessus jour et nuit. Il y a le gars, ben, le propriétaire même des idées, il est parti sur Twitter, il a sorti les preuves. Les envoie des messages, ils prouvent que vraiment le clip que vous voyez là, c'est pas elle, c'est moi. Et dans toute cette histoire, je n'ai pas été récompensée, donc j'aimerais avoir le retour de flamme. C'est mal connaître Aya. Elle a déposé un tweet. Le showbiz est intéressant. Elle a déposé un tweet pour dire « La vie appartient aux courageux et aux gens qui font, pas ceux qui parlent. Pire !» Nous, on a pris les idées et on a progressé. Vous voulez dormir, c'est votre dos. Elle a dit oui, j'ai volé, oui. Nous volerons encore s'il le faut. Vois-tu les résultats du clip?
et de l'audience, c'est ça moi je cherchais. On vole, on avance. Et d'ailleurs, voler, puis mettre à sa sauce, c'est les génies qui font ça. Aya Nakamura n'a pas le temps, donc elle a volé, elle a dit oui, nous volons et nous évoluons. Period. Prenez note, hein. On a dit Pookie, Pookie, Pookie. Ferme la porte, y'a la Pookie dans le sac. Voler. Let's go. Alors, à ce moment-là, pendant que Pookie est en train de drop, Aya est en couple avec Niska, là. Mais lui, je vais y venir, doucement. Vous devez savoir que son chéri actuellement, qui s'appelle Vladimir, à ce moment-là, c'est lui qui s'occupe de la DA de Pookie. Oui. Donc, ils se sont mis en arrangement tous les deux. Elle lui a dit, t'es mignon, toi. Bon, pour l'instant, je suis en couple, on va voir ça tout à l'heure. Mais tu t'occupes de la DA, chérie, on vole les idées des mogos, on progresse. Il n'y a rien. Toi et moi, on se chope après. À ce moment-là, ça monte, l'album sort, Pookie, les quoi. Et les gens commencent à lui dire, écoute, nous avons souligné dans tes chansons une répétition au niveau des thèmes. Et puis bon, voilà, la phrase et tout. Donc les gens commencent à dire, écoute, Aya, t'es très forte, mais nous, on comprend rien. Déjà, dans les médias, on faisait que la lyncher sur ça. Mais je vous explique la mentale. Les gens lui reprochent de se répéter dans les musiques, c'est vrai. C'est souvent, quand on écoute plusieurs sons, c'est « tu me plais, je suis la meilleure du show » et tout. Bon, bref, c'est la même chose. Mais vous devez comprendre dans la DA artistique, c'est que déjà, les meilleures idées sont récupérées. Ça, c'est un. Elle n'a pas le temps. Deuxièmement, les chéris, less is more. On ne va pas être là à rapper, rapper, chanter, chanter comme à l'époque où elle faisait les freestyles. Pour elle, ce n'est pas nécessaire. Warner Music, tout ça, les maisons de disques, ils ne sont pas là pour pleurnicher, hein. Elle va pas être là écrit ses pleurs et ses larmes. Il faut chanter. Il faut drip, drip. Il faut jaja. Il faut Pookie. Il faut les hits, en fait. Donc, elle se fatigue pas. Parce que nous, on est hypocrites. Tous les jours, on la juge. Entend Pookie, Pookie, Pookie. Jaja, tout. Les VIP, les quoi, les baby, tout. Tout. SMS, tout. Ce qu'elle a fait, là, on a écouté. Pourtant, elle se répète. Mais less is more. Il faut pas se fatiguer. Il faut pas transpirer de trop, là. Faut aller à l'essentiel et tuer. On aime. Elle continue sur cette lancée. Donc, vraiment, c'était la DA. Alors, la relation avec Niska, vraiment, 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 on adore. Alors, Niska, le parfum du ghetto. Let's go! Mignon garçon, c'est tout ce que moi je sais. Aya, elle a vu dedans, elle a dit, écoutez, toi, venir. Papa là-haut, wesh. Gang! Et en fait, si vous voulez, vous le savez, eux deux, ils ont pris du galon ensemble dans le game. Je sais pas s'ils se cherchaient déjà avant tout ça, mais en tout cas, dans les débuts, on va dire que... Je pense qu'on peut dire clairement qu'ils ont pris du galon dans le game en même temps. Ils étaient peut-être pas à la même position, mais en tout cas, elle est star, il est star, oui. En fait, il y a un mot de « je suis une star, t'es une star, oui ». On se dispute tout et tout, on jette les billets par la fenêtre, mais vous comprenez pas, en fait. Entre eux, c'est la passion. Ça se voit et ça se sait. Ah non, on avance vite parce qu'il y a trop de choses à dire sur leur relation. D'ailleurs, Niska l'avait dit dans un son, j'aime les malins de mon côté, Niafou man, Aya dit peer. Elle a récupéré l'information, elle est partie vers lui, elle a dit, tu aimes les maliennes? Je suis malienne, très fraîche, donc c'est réglé, viens, on va s'aimer. Voilà. Elle n'a pas été par quatre chemins. Lui aussi, il a vu qu'elle avait tout ce qu'on cherche dans la vie. Vous avez vu son dernier clip? On va y venir, mais est-ce que vous avez vu son dernier clip? Et avant de vous raconter la suite de sa relation avec Niska, je dois vous placer sa mentale. Sa mentale est large, bien sûr, mais on va parler des hommes. Je vous ai parlé de sa mentale dans le travail, dans la visibilité, la vie d'artiste, mais au niveau des hommes, Aya n'a pas le temps. Franchement, si tu passes par là, Queen, faut dire si je mens, parce que moi, je sais que c'est ça qui est là. Alors, Aya, dans sa mentale avec les hommes, on passe pas par quatre chemins. Pas de chômeur. Period. Il doit être beau, intelligent, charismatique, doué dans les affaires. Il doit comprendre la courbe de l'euro. C'est ça qu'on cherche. Personne ne va couler ici. Niska, tu es même un peu musulman là, hein? Tu es un joli garçon africain, donc si tu viens, on va régler tout ça. Donc c'est la mentale. Et c'est dans ça qu'elle a récupéré Niska. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. En tout cas, ils ont fait un joli petit bébé. Ça s'est bien passé pour eux en fait. Ça, c'est l'étape 1. Niska, il a cogné Aya. C'est un fait, oui. Tous les jours, Booba vient lui dire « Hey, frangin, quand tu nous dis que tu l'as pétala là ?» Parce qu'on sait que tu l'as botté, hein, puis on a les preuves. Il l'a frappé. Il l'a frappé, il l'a frappé, il l'a frappé. Mais il ne peut pas dire « Oui, les gars, j'ai frappé Aya. » Il ne peut pas venir dire ça, donc ça n'a rien à voir. Mais je ne lance pas la pierre sur Niska. Parce que Real OG Aya frappe aussi, ok. Elle l'a frappé aussi. Oui. Non, non, arrêtez. Comprenez le contexte, chérie. Niska est un bel homme. Hein? Un homme mûr. Et en plus de ça, il va à la Mecque de temps à autre pour prier pour ses péchés. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de baby-mama. Il y a beaucoup de fans et puis de groupies.
Ah, il a fait showcase, lui aussi, il fait pour lui. Donc, il y a une tension excitante, là. C'est en showcase, moi aussi. Il y a un jeu que vous pouvez pas comprendre. Non. Vous pouvez pas comprendre la tension. Tous les jours, le gars finit de chanter, il y a 4 pétasses dans sa loge. Il est crevé, en fait, donc ça crée des tensions. Et le truc, c'est que lui, c'est un real OG, elle aussi, elle laisse pas tomber. Donc, ils se sont frappés, oui. Ils se sont boxés un soir. On sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais je peux vous assurer qu'avec tout ce que je vais vous dire après, sachez que le jour où Niska l'a cogné là, elle aussi, elle a pas laissé le gars. C'est parce qu'il est fort et puis c'est la rue, hein. Il est parti effacer un peu ses bleus, comme ça, doucement dans la toilette. Il s'est dit, la malienne, elle m'a fait. Elle a blessé. Mais il y a un coup d'avance. Donc, elle a fait un peu de vidéo et tout. Tac, boum, tac. Elle a posté sur Snap. Elle a dit, il m'a frappé. Bref, le clash a un peu ambiancé la foule. À ce moment-là, ben voilà, c'est fini. On est toujours en silence radio. Faut pas trop extrapoler. À ce même moment, mes chéris, rappelez-vous, il y a un direct qui a été fait entre Aya et Niska. Tout le monde était dessus. Je ne sais même pas moi-même dans quel coup je me suis retrouvée sur le direct. Parce qu'il y a eu affaire de frapper, il y a affaire d'enfant, il y a affaire de Starmania. C'est pétillant, là. C'est succulent pour nous, les téléspectateurs. Donc, il crée un live. Déjà, je ne sais pas si vous avez cramé. Moi, je repars de ça parce que j'ai tout analysé. Ce live était calculé avant même que nous tous, on se réunisse pour dire « Ah, ils vont faire un live ». Ils ont calculé tout, hein. Au moment même où il y a eu les histoires de poster sur le net, mais bien évidemment qu'ils ont parlé entre eux. Niska lui a dit, c'est la rue là ma chérie, je t'ai frappé mais tu m'as frappé. Et puis si les gens savent c'est gang pour nous, on va t'annuler des concerts moi aussi, c'est pas bon pour les affaires. Donc viens on essaie de récupérer un peu la foule. Et la vie d'artiste est difficile. Donc ils créent le live, nous on est tous des moutons là, donc on regarde ça en mode putain, ils vont se dire un truc de fou et tout. On n'a tellement rien compris. Je dis, la veille, se sont déjà dit, tu dis ça, hein? Tu m'appelles à telle heure, hein? Et puis, tout est prêt! La manière dont Niska était là, ça va? Oh, tu es la plus belle, tu es très belle là, ce matin et tout. On sait qu'elle est belle! C'est pas maintenant dans le live, ça veut dire qu'elle est jolie. On sait, papa l'amour. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que tu l'as frappée. Son visage était tuméfié, puis c'était sur les réseaux. C'est tout ce que nous, on sait. Tout ça, c'était pour créer l'engouement. Parce qu'après ça, de son album qui était sorti, elle a fait un remix avec Niska sur Sucette. Et frères et sœurs, si je mets la musique de la Queen, ils vont couper ma vidéo. Mais je suis une artiste, donc je vais chanter. Oui, je chanterai. Personne va couler ici. Let's go. Dans le son, Aya dit, projet parti en Sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire, bébé. Parce que là où on est là, tout est gâté. Tu es parti, il y a eu les tromperies, les clashs, tout. Franchement, c'est gang. Tu m'as frappé. Tout le net est au courant. Comment on va faire? Niska est rentrée dans le couplet qu'il a rajouté pour dire que vraiment, projet gâté. Elle est fâchée. Elle fait la teuté. Elle n'a pas dit son dernier mot. Dans le dernier couplet que Aya a rajouté, elle a dit, c'est la folie qui fait que je suis là. Il faut me dire, bébé, je suis classe. Et si tu m'aimes pas, je comprends. Je n'abandonne pas, en fait. Elle a dit, je n'abandonne rien. Je suis dedans, je lâche pas. Et quand ces pétasses posent leurs yeux sur toi, bébé, ma tension. Aïe, aïe, aïe! C'est la partie du film. Donc, c'était une manière de dire, oh, entre nous, ça va, c'est passionnel et tout. C'est passionnel, mais vraiment, c'était la promo. Donc, Sucette Remix, c'est la promo, en fait. Mais dans le son, il vous explique à vous, qui n'avez pas compris la sous-lecture, nous nous sommes aimés et nous nous aimons encore. Mais tu es trop sauvage et moi je suis trop passionnelle. Donc ça peut pas aller. Mais quoi qu'il arrive, étant donné que nous deux on a conçu quelque chose qui s'appelle l'amour, on a un enfant ensemble, papa l'amour, je lâche pas. Je lâche pas. Tu m'appartiens. Je prends même le fer à repasser, je te frappe avec par amour bébé. Vladimir, ça va doudou? Écoute, j'espère que tu vas pas mal le prendre ce que je vais te dire, mais tu es blanc et j'ai besoin de changer de tempo. Period. J'ai tout donné à Niska, je suis foutue, je peux plus. Voilà, c'est trop pour moi. Écoute, j'ai besoin d'un homme charismatique, beau, grand, qui a des contacts, tu vois, qui peut potentiellement me faire sortir de la rue. Attends ma chérie, j'arrive. Tu es producteur, non? C'est parfait, voilà. J'aimerais que tu t'occupes un peu plus de moi. Tu en as eu un projet ensemble, j'aimerais en avoir d'autres, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu es intelligent, riche, tout ça, tu es russe. J'ai tout donné au ghetto, là je peux plus, donc toi et moi on peut essayer de créer quelque chose, qu'est-ce que t'en penses? Écoutez, elle est femme, mère de famille, artiste, mannequin, femme d'affaires, c'est beaucoup. On a besoin de quelqu'un de solvable. Et Vladimir est solvable. Vous l'avez bien vu, il est solvable!
Eux là, ils commencent à s'exposer sur les réseaux, mais ça drip, vous avez peur. C'est parce que nous, on n'a pas de gars et puis l'argent est pas beaucoup. Sinon, vraiment, ça drip. Ah, ça drip, drip. Vous comprenez? Ma chérie, faut te placer. Ah oui. On est venu pour danser. Ou bien? Oui. Aïe, aïe. Ouh, ouh. Montre-moi ton style. Ton style, ton style, ton style, ton style, ton style, ton style. Montre-moi ton. Ouh, ish. Montre-moi ton. Alors l'année suivante, Vladimir devient son producteur, of course, qui allait se laisser mourir. 2020, ça pète en fait. Donc là, elle est au max là. Mais les infidélités, les tromperies, tout ça aussi, bissé avec Vladimir. Donc vraiment, ça drague en balle. Mais qu'est-ce que vous espériez? Quelqu'un qui a du poids, grand séducteur, il aime bien montrer que voilà, il est en place, qu'il est russe et tout, donc ça commence à péter. Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikov ont été placés en garde à vue samedi 6 août 2022 pour violence réciproque. J'appuie sur réciproque, merci, sur conjoint. Quand Aya a su qu'il était parti à un mariage, elle n'était pas invitée. En plus, son chéri accompagné d'une autre pouf, elle a dit c'est gang, il n'y a personne qui va dormir ici. Donc la dispute commence et tout, elle lui dit c'est comment? Toi tu vas dans des mariages, je suis pas invitée, en plus t'es avec une poufière, c'est comment Vladimir? En fait le mec, il est vénère, mais il doit se calmer et la calmer. Donc il vient un peu, il attrape tout, calme-toi. Il essaie de la contrôler, mais elle est saoulée. Dans tout ça, tu es partie avec la pouf, tu ne nies pas que tu étais avec elle. Et en plus de ça, tu estimes que c'est pas un problème. Les chéries, elle a giflé Vladimir. Il est tombé au sol, pouf. Voilà, la puissance ne respecte que la puissance. Aya a dit, step back, je suis outré. Alors vous devez savoir, parce que les gens sont des affairés, dans Pavillon encore, il y a des gens qui appellent la police. Mais on paye le prix pour être tranquille en fait. Ils étaient en train de se frapper, dans les frapper. Quand Aya a giflé le gars là, il y a eu beaucoup de bruit de fond là, tout ça pété. Oui. Bonjour monsieur, oui, c'est la police? Oui, je suis à Rosny-sous-Bois, j'habite à côté de chez l'artiste Aya Nakamura. Son chéri est en train de la tabasser. Oui, vous pouvez venir rapidement s'il vous plaît? Et dans ça, la police débarque en chape. Fiu! Il sonne chez Aya, il n'y a personne qui ouvre. Dedans, tout est cassé. Alors ça s'était un peu calmé, les policiers se disent bon, peut-être qu'on va essayer de partir. Et dans ça, voilà les bruits qui reviennent, les bruits, les fracas et tout, parce qu'ils sont dedans en fait, ils sont encore en train de s'embrouiller. Dans ça, voilà le couple qui sort. Fiu! La dispute continue hors du lieu. En fait, c'est-à-dire que dehors, là, le show continue. Je sais pas si Aya est en train de courir, Vladimir est derrière, comme ça. En fait, ils se sont bien brouillés. Mais il faut voir les policiers ébahis. Ils se sont dit, mais... on est là et puis vous vous battez, là. Mais, madame, monsieur... Imaginez, quand les policiers, ils chopent Aya, qui lui disent, mais madame, là, elle avec sa fille dans les mains, elle leur a dit, chut, attendez, moi, je vais rentrer récupérer des affaires pour ressortir. Je reste pas avec ce malade mental, je vous le dis. Mais vous en faites pas, tout va bien. La situation est sous contrôle. Vlad! Là, les policiers lui disent de bien expliquer parce que bon, vous étiez dedans, finalement, vous sortez en criant tout, expliquez bien. Aya a dit, monsieur, il m'a tiré les cheveux, il m'a séquestré et il m'a étranglé en fait. Du coup, il reste un peu en retrait. Aya rentre, ça recommence à partir en vrille et tout, et elle ressort en furie. Vlad aussi qui la suit, toi tu vas où et tout, donc ça pète. Aya monte dans sa voiture avec sa fille. C'est bon, hein? Devant les policiers, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour elle, elle est partie. Rien à foutre! Chacun gère comme il peut, là, c'est trop. Les policiers sont là maintenant, avec Vladimir. Lui aussi, il est désemparé. Il est tout abîmé, tout mélangé. Ils lui disent, bon, ben, quoi? Il lui dit, je porte pas plainte, c'est bon, là. C'est tapé, c'est notre dos. Rentrez chez vous, monsieur. Est-ce que vous me croyez que une heure plus tard, les keufs sont rappelés encore par un voisin pour dire, ça pète ici, là-haut! Aïe, en train de tout... ça pète! Venir, en fait! Et Aya est en train d'escalader le portail pour rentrer chez elle. Elle a escaladé le lieu. Elle est rentrée dans le pavillon. Elle a dit, period. Vlad, tu te places ici. Moi, je récupérais quelques affaires. Je pars avec ma fille parce qu'on va pas rester ici. Je peux plus gérer tes crises, là, mon amour. Je peux plus. Voilà. Les gars, j'arrive. Mais Vlad est choqué. Tu pars. Tu reviens avec deux individus en plus. En fait, Vlad n'aime pas du tout les deux protagonistes que Aya a ramenés. Il se sent en danger là. Il a répliqué, chap. Hé, vous faites quoi ici vous? Tu fais quoi avec eux toi? Mais la vie de ma... Hey, allez, croyez que je suis un PD moi? Croyez que je suis un PD? Après ce speech, les deux protagonistes ont dit, mais tu nous menaces, en plus tu as une arme là. Ils lui ont niqué sa mère, chape. À ce moment-là, les keufs ont dit, ça suffit.
Ils ont dit, vous, tout ce qu'il y a dedans, là, vous sortez. Allez, 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 allez. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant la perquisition, parce que pendant qu'ils se justifient, on vérifie les lieux où ils vivent, là, la perquis a dit ceci. Les enquêteurs ont mis la main sur une carabine. 3 plantes de cannabis, 14 000 euros en liquide. Oui. Et en dernier lieu, une arme factice. C'est avec celle-là qu'il a menacé les Mogos. L'arme avec laquelle il a agressé les deux Mogos, là, peut-être qu'elle était fausse. Ça, je veux bien le concevoir. Mais papa, tu as carabine chez toi. Ils ont eu peur, ils t'ont frappé avant que tu les tues. C'est simple, je continue. Aya a dit dans 40%. Je sais pas pour qui tu m'as pris, j'ai capté la tactique. Ram pam pam. Je crois bien que tu l'as senti, t'as loupé le coche de la gâchette. Ça fait ram pam pam. D'ailleurs, entends, son chéri Vladimir s'est tatoué un gros truc sur le cou. Il a dit peace and salute. Si c'est salute, bye en fait. Ça veut dire que si je me fais fumer pour quelconque raison, après avoir tant donné, sachez que c'est à cause de tout ça là. Et quand je serai dans mon cercueil, ça sera écrit sous mon cou. Et on le voit sur cette photo quand il va au tribunal, c'est écrit, c'est-à-dire que quoi qu'il arrivera, je suis paré pour la guérilla. Comprenez l'état d'esprit. Il est avec une queen qui le fait chavirer. Lui-même aussi, c'est un malfrat et un infidèle. Il peut pas s'en sortir, donc oui, papa l'amour. Peace and salute, parce que vraiment, c'est ce qui te reste. Tout comme avec Niska, c'est son chéri. Le père de sa fille aussi, donc on peut pas trop dire faut les voir maintenant sur les réseaux. Y a rien, on s'aime. Cette photo même déjà, la manière dont Aya est dessus là, c'est vraiment pour dire arrête de m'embrouiller là. Toujours tout pour le show business, ça va pas entre nous. Et juste après ça, après cette période de tout va bien, elle a tweeté célibataire comme jamais. Et puis ça s'arrête là d'ailleurs. Alors 2023, elle reprend les interviews, elle a pris du temps pour elle, ça se voit. Elle est toute rayonnante, il y a une nouvelle DA, vous avez bien vu Baby, SMS, c'est-à-dire que tout est carré. Elle sort son album DNK. Nouvelle pochette, nouveau design. On sent qu'elle s'est retrouvée, elle est dans une énergie. Alors, je dis que Aya a dit, Jaja, toi déjà, tu n'as rien compris. Tais-toi. Ok? Je suis la boss, toi tu bégais. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Doudou, fais le taf. Parce que je suis la plus bonne de tes copines. Period. Donc, fais le taf. Toi et moi, on le sait. Et surtout, pas de pookie ici. Oui, les tromperies, tout ça, on a compris. Pas de pookie. Et s'il y en a, sache que je vais dégainer le brolique. Period. Et tu sais très bien que dans ces moments-là, je ne suis qu'à 40%. C'est de ça qu'il est question dans cette vie. Merci beaucoup pour la DA. Bref, mes amours, c'est la fin de la vidéo Scandale de Star. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve vite pour la suite. Je vous aime fort. On est ensemble. Mouah. Comment te définirais-tu en un mot? Je suis une femme, on appelle ça la force tranquille. Et plus je grandis, et plus j'ai envie de devenir sage. Et c'est pour ça que tout se voit de plus en plus sur mon visage. 2023, c'est l'année de je suis en pétard. 2023, pour moi, en tout cas, c'est l'année où je me suis retrouvée, je kiffe ma vie. Genre là, c'est vraiment, je veux rien savoir, je suis en pétard. 2023. Le son de jazz.